Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un tour de magie automatique. Mais attention, je vois de suite arriver les réticents au tour automatique. Celui-ci est vraiment très intéressant par le fait que vous allez pouvoir amener ce tour autour d'une histoire. Une histoire dans l'avancée de la magie de la vieille école à la magie moderne. Le tout illustré dans une routine qui, vous verrez à la fin, laissera sans voix vos spectateurs. Et vous, ça vous permettra derrière de pouvoir enchaîner justement avec des tours utilisant peut-être des manipulations plus avancées. Et donc cette routine sera le parfait tremplin pour introduire ce genre de tour. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la démo qui illustre tous mes dires. Bien sûr, comme d'habitude, ceux qui veulent apprendre ensuite à réaliser ce tour, vous pouvez retrouver les liens dans la description. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et je sais pas si vous êtes au courant, mais la magie a énormément évolué au fil des siècles. Alors en bien en mal, je sais pas, mais en tout cas, les méthodes et les tours ont énormément évolué. Par exemple, par le passé, on appelle ça la vieille école, les magiciens, pour faire choisir une carte ou créer des paquets, demandaient souvent à leurs spectateurs de choisir un chiffre, un nombre, pas trop petit, pas trop grand, par exemple entre 20 et 30, et le spectateur citait un nombre, alors au hasard, par exemple, je dirais 24, et là, le magicien se mettait à compter 24 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Par la suite, il prenait le chiffre, le nombre 24, et le décomposait. Donc par exemple 24, c'est le 2 et un 4. Donc on prend 2 cartes et 4 cartes. 1, 2, 3, 4 pour décomposer le nombre. Et là, on obtenait un premier paquet, une carte choisie, peu importe. C'était une méthode, certes un peu longue, certaines des fois un petit peu ennuyeuse pour le spectateur. Et c'est là que certains magiciens se sont posé la question et se sont dit, oui, pour améliorer ça, il faudrait qu'on gagne du temps, parce que là, on endort nos spectateurs, on perd du temps. Pourquoi pas tendre le paquet au spectateur, lui demander de couper, et de cette manière, hop, on obtient la même chose, un paquet. Et là, certes, c'est plus rapide, plus efficace, mais d'autres magiciens se sont dit, oui, on perd un petit peu quand même du mystère, du côté aléatoire des paquets en distribuant les cartes, parce que c'est trop rapide. On est là direct, on coupe, il manque ce côté-là un petit peu mystérieux qui fait la magie. Et ils se sont dit, ben, pourquoi pas prendre un petit peu de la méthode de la vieille école, de la méthode un peu plus de la magie moderne, et faire, pourquoi pas, des paquets comme ceci, en distribuant les cartes une à une, en alternant. Et de cette manière, on obtient deux paquets, tout aussi rapidement que la deuxième méthode, mais en gardant le côté mystérieux de la première. Et là, vous allez me dire, mais où je veux en venir en faisant tout ça? Tout simplement, c'est pour vous expliquer qu'en fait, le présent s'inspire du passé. Et si on prend un petit peu des méthodes du passé, des méthodes du présent, qu'on les combine ensemble, c'est là qu'en fait la magie opère. Et là on obtient un vrai petit miracle. Bien entendu, tout est examinable, il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère au moins que la petite démo vous aura donné peut-être envie de vous intéresser à ce type de tour. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également. Je les lis tous, hein. Si vous avez des questions, les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également l'école de magie gratuite, magistreaming.fr. Tous les liens sont dans la description avec le lien pour souscrire à la chaîne Tuto Magie Premium. Et avoir accès du coup aux vidéos exclusives avec tous les avantages qu'il y a derrière. Et le fait de pouvoir directement me soutenir dans tout ce que je vous propose. Donc voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.